Bonjour, c'est Marc Doucet. Je vous présente l'info du jour depuis notre bureau e-Globe à Varna. Le mois dernier, le Population Reference Bureau, une organisation privée américaine, publiait ses prévisions pour la population mondiale en 2050. La planète sera peuplée de 9,9 milliards d'individus en 2050 contre 7,4 milliards aujourd'hui. Le pays le plus peuplé aujourd'hui est la Chine avec 1,4 milliard d'habitants, suivi par l'Inde 1,3 milliard et les États-Unis 320 millions. En 2050, le pays le plus peuplé sera l'Inde avec 1,7 milliard d'habitants, devant la Chine 1,3 milliard et les États-Unis 400 millions. Maintenant, on va combiner ces prévisions aux estimations du PIB en parité de pouvoir d'achat faites par le Fonds monétaire international. En 2015, la Chine est la plus grande économie du monde, suivie par celle des États-Unis, inférieure de 7%, et l'Inde, loin derrière, avec une économie qui représente environ 40% de celle de la Chine. Si on suppose que le revenu par habitant des pays à haut revenu augmente d'1,5% par an et que le revenu par habitant de tous les autres pays augmente de 4% par an, on arrive à la situation suivante en 2050. La Chine est toujours la première, mais l'écart entre la taille de l'économie de la Chine et celle des États-Unis s'accroît de manière significative. L'économie américaine ne vaudra plus que la moitié de celle de la Chine et elle glissera derrière celle de l'Inde. Les positions suivantes seront occupées par l'Indonésie, la Russie, le Brésil, le Mexique et le Nigeria. Cette estimation pourrait être un peu trop optimiste pour un pays comme la Russie, qui dépend du gaz et du pétrole et dont l'importance va baisser en 2050. Mais ce que montre ce petit exercice, c'est que l'économie mondiale en 2050 sera encore plus dominée par la Chine et qu'à l'exception des États-Unis, tous les pays du top 10 seront des pays très peuplés à revenus intermédiaires. Les pays européens qui sont dans le top 10 aujourd'hui, comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, ne le seront plus en 2050. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site eatglobe.fr. À bientôt.